créole haïtien avec un grand point cap dominé actualité. Actualité ici aux États-Unis dans New York, deuxième journée procès criminel historique contre Donald Trump et jodi a li déjà condamné pour le payer une amende pour entre silence li pas respecté dans jugement. Aux États-Unis toujours arrestation plusieurs dizaines d'étudiants dans cadre manifestation en faveur Palestine devant attaque l'armée Israël là dans Gaza. Concernant pays d'Haïti, dans Conseil de sécurité des Nations Unies, BINU et Haïti lancé appel par la communauté internationale là pour agir rapidement pour éviter un génocide dans la nation Caraïbe. Et puis en Haïti, Koudzam continue à chanter dans l'entour palais national dans Port-au-Prince pendant préparatif pour installation conseil présidentiel transition à continuer. Et oui, préparatif à fête pour installation conseil présidentiel de transition. Et dans le moment où on a parlé là, d'après sa correspondant, nous, n'importe quoi, nous connaissons à Lévini qui a fait dans la villa d'accueil, des réunions qui a fait, des tractations qui a fait, toujours dans le cadre préparatif pour installation conseil sécurité et conseil présidentiel transition. Bonjour, bonsoir. On ne peut pas dire qui côté, ou attendre et garder en même temps vidéo ça. Déjà, on a dit bienvenue sur la notre encore pour une nouvelle vidéo d'information que nous portons pour aujourd'hui. Parmi les grands points qui dominent l'actualité que nous portons pour, on a pu connaître criminel varie lui-même, lui bloqué après nég vivant sans mieux, même du tabral mettez ou bien voler plusieurs camions gaz en dedans terminal varie et bien lui fermé. Plusieurs leaders l'Occident mandé Hamas lui-même pour la guerre. Otage qui ou même yota kenyen yo. Yon l'autre côté, n'a pas koné, et bien président Joe Biden si yon enveloppe qui gen aide 95 milliards de dollars américains là-dedans, et bien Sénat américain ou même yote voté, le député te déjà voté avant, majorité dans l'agence a yon pral jeune pays Ukraine pour capable faire face carré avec là aussi. Yon l'autre côté, n'a pas koné, n'a sa qui gen poué avec dossier. Bandi dans pays d'Haïti, et bien matin la bandi envahi marché à Kaya, les même qui dans l'ouest pays d'Haïti, côté yon fait un pile de gars, n'a vini avec détail pour vous. Ouais, ça a plaisir l'autre, n'a pas pour nous, avec une édition La Voix de l'Amérique, ça, mais avant même nous entrer dans point ça, vous pas oublier. Si vous tombez pour la première fois sur channel là, abonnez-vous avec channel là et activez la cloche notification pour la mettre sur tout, pour pas rater aucun vidéo, n'a pas pour nous porter pour sur channel si là. Pas oublier, quittez un like tout et partagez vidéo avec yon amis, yon famille. Nous pas perdre trop de temps, n'a pas la gourne édition VOA Creole là et puis devant n'a venir avec reste détail. Nous souhaitons retenir juste dans fin vidéo pour pas manquer aucune information que nous pouvons. Et quand nous allons établir contact avec collaborateur nous Valério Saint-Louis qui était suivi pour nous, c'est ça qui était déroulé dans le Conseil de sécurité Nations Unies sous situation Haïti. Valério. Justement, Jacqueline, nous t'avons suivi de très près hier lundi 22 avril là, 9613e séance Conseil de sécurité Nations Unies qui t'a réuni une fois encore sous question qui concernait Haïti. Chef MINUA, Bureau intégré Nations Unies en Haïti, Maria Isabel Salvador qui t'a participé à travers téléconférence par vidéo depuis Port-au-Prince, t'a dit Conseil de sécurité a que dans commencement mois de mars là, gang yo t'a augmenté des attaques coordonnées qui t'a visé infrastructure l'État, qui gagne la donne plusieurs commissariats à la police avec deux dans prison principale qui dans Port-au-Prince, ensemble avec établissement scolaire, l'hôpital clinique avec plusieurs sites religieux. Il a dit tout que semaine passée a été attaqué et a pillé l'école médicale Université d'État d'Haïti. Il était continué pour dire que gang yo toujours a lancé des attaques contre palais présidentiel là, ça qui la cause confrontation féroce avec la police d'Haïti oui. Ensemble avec force l'AMEA qui fait plusieurs victimes. Et depuis 3 mars, confrontation à gang aux alentours aéroport international là dans Port-au-Prince, et ben t'es forcé compagnie avion commercial yo camper service yo, une situation qui continue jour journée jeudi a. Il a annoncé tout que vol aérien yo ta ka reprendre mois prochain. Il était bail yo rapport détaillé sur impact violence gang yo sur population, timoun yo ak fam yo. Il dit que gen plus passé 6 mois depuis que Conseil de sécurité a été autorisé déploiement force MSS là. Nations Unies doit continuer insister sous importance déploiement en urgence de force en Haïti. Deuxième intervenant par vidéo téléconférence devant Conseil de sécurité de l'ONU, c'était directrice exécutive Bureau Nations Unies pour drogue à crime. ONUDC, Mme Gwada Wali, qui lui-même te ba un rapport détaillé sur façon que les armes à feu et munitions continuent à vider entrer dans le pays d'Haïti, selon une dernière enquête criminelle qui était faite ici aux États-Unis, côté que vous arrivez à joindre quelques détails importants sur façon que les armes à entrer dans le pays. Mme Gwada Wali, te dit Conseil de sécurité de l'ONU, d'après information du département justice États-Unis, te publié, un ancien leader gang 400 Marozo, qui relait Jolie Germine, te dirigé opération trafic d'armes à partir de cellules dans prison. L'elle servit avec téléphone mobile pour faire appel à partir de prison sans surveillance. Il découvrit que ancien leader gang 400 Marozo, Germine, te bail instruction sous façon pour faire transfert l'argent by associé criminel lié dans l'État Floride, avec explication claire sous qualité d'armes que te demandé pour acheter. Et puis il continue bail associé lié détail sous magasin côté pour acheter des armes à distance à remote contrôle depuis prison. Il t'a commandé des armes à feu qui te gagne la donne gros armes automatiques gros calibre. Zami te passé par contrebande rivière en Haïti par drôme à récipient qui te camouflé comme si c'était mangé à attique fourniture pour caille. Après ça, c'était tout pas directrice exécutive UNICEF là, madame Catherine Roussel, qui lui-même te dit Conseil de sécurité de l'ONU que famille continue à déplacer quitter la caillou à cause de la violence gang yo.
il est estimé que plus passé 180 000 timoun parmi famille ça a continué à déplacer. La fois qu'on est que plusieurs représentants pays membres conseil sécurité a pris la parole. Yo détaillé position yo sous situation pays d'Haïti. En majorité presque tout pays ça, tout représentant pays ça dit que l'important pour yo déployer en urgence force MSS là en Haïti. Bon, on te parle ambassadeur Haïti, Antonio Rodrigue, dans tout ça que tu dit dans la réunion Conseil sécurité, nous retenu pour vous que tu pesé sur net d'alarme pour avertir la communauté internationale, que il y a une nécessité pour renforcer significativement et fort pour assurer l'espère bagos amio d'après résolution 2700. Une façon pour empêcher bandi yo joindre plus d'âmes toujours. Et pour finir, c'était tout pas ministre Affaires étrangères République dominicaine Roberto Avarez Gil qui t'a dit lui-même tout que il y a un besoin urgent pour appliquer embargo ça, embargo sous armes, munitions qui ont même à entrer en Haïti. C'est comme ça, c'est en gros ça que nous t'ai retenu pour vous dans réunion ça qui t'est déroulé hier dans le Conseil de sécurité des Nations Unies depuis Manhattan, New York. Jacqueline? Merci Valério Saint-Louis. Et nous avons arrêté toujours dans New York avec pour deuxième jour procès ancien président républicain Donald Trump. Et Jean-Aubert a suivi pour nous et dossier ça. Jean-Aubert Philippe est déjà et ancien président ou bien accusé. Il a déjà gagné une amende pour le payer parce que il a semblé qu'il a violé les principes avec la loi. Dis-nous plus. Effectivement, Jacqueline, et alors, il y a quelques bails qui passent entre-temps. Il y a entre-temps juré, en fait, tribunal là, pour même juré à la CAIO pour jeudi. Donc, il y a pour retourner encore dans le tribunal là, mais jeudi, qui vient là encore pour continuer avec Poussard. Donc, c'est la troisième journée. Et l'autre bail qui passe là, c'est que c'est responsable magazine et Inquiry National, là, lui-même qui, M. Perker, lui-même qui était gagné pour le témoin pour une deuxième journée. Et lui-même, il dit que Job Lee, il était cherché pour le bloquer. Tout texte ou bien tout article que on monte à venir vendre dans journal là qui était défavorable à candidat parti républicain à l'époque là n'a pas eu de Donald Trump. Donc Job Lee c'était pour faire ça parce que Donald Trump c'est un ancien ami. Donc il n'est pas gagné pour faire ça. Concernant amende que avocat gouvernement a demandé pour demander juge là pour le faire et ancien président payer parce que il violait et règlement sous barre qui demandé pour pas parler pour pas critiquer personne monde qui pourrait acte dans procès. Et bien juge là il dit que il peut pas prendre décision pour ça qui concerne ça. Mais son dossier encore que la Bretagne sur lui, mais il était un gros bouche l'ouvri avec avocat qui a défendu ancien président, après que le président dit lui-même les considérer, décision un juge là pour empêcher le parler, c'est une violation à droit constitutionnel. Christopher Conroy, un avocat qui a défendu le gouvernement dans le tribunal Manhattan à New York, demandé juge Wang Merchant qui a supervisé le jugement ancien président Donald Trump pour faire payer une amende de 10 000 dollars pour être violé l'ordre pour ne pas critiquer publiquement témoin avec l'autre monde qui est impliqué dans le procès en tant qu'actrice film pornographique Stormy Daniels avec ancien avocat président Michael Cohen. Deux témoins qui sont capables de témoigner dans le jugement historique là. Avocat dit ancien président doit payer conséquences là à cause de désobéir l'ordre là volontairement avec toute connaissance lui. Avocat a demandé juge là pour rappeler ancien président qu'il est capable de faire face avec conséquences plus graves s'il continue à violer l'ordre babouquette là. La loi permet juge là voyer ancien président Trump en prison pour 30 jours maximum, ça qui est capable de tourner dans le premier jugement criminel historique qui fait contre un ancien président américain. Ancien président a déclaré la décision du juge là, c'est une violation du droit constitutionnel, liberté, la parole de gagner. Donald Trump, qui prend la parole devant un groupe de journalistes avant d'y rentrer dans le tribunal là, Bonner m'a dit 23 avril là, tu parlé plutôt des élections primaires qui ont déroulé dans l'État de Pennsylvanie. L'a déclaré, moi espérer nous prendre le souti pour nous aller voter. L'important pour nous voter, pour nous faire connaître que nous sommes présents 5 novembre, nous apparaît sur eux en forme. Je dis à ces élections primaires. C'est toujours important pour nous voter en faveur bon monde qui est candidat pour poste sénateur, qui est bon pour le pays. Ça va passer dans une c'est l'université jeudi, c'est une honte. Dans l'occasion de la première journée procès, avocat gouvernement accusé ancien président, il dit qu'il violait la loi et puis trompé électeur dans l'élection présidentielle 2016. L'LTE s'est caché la relation sexuelle qu'il a gagnée avec actrice film pornographique Stormy Daniels et modèle Playboy Karen McDougall. Avocat ancien président déclaré par jury client liant pas commettre aucun crime et pas gagner rien qui doit n'en chercher influencer résultat de l'élection et il est sa démocratie. Avocat gouvernement déclaré ancien président a utilisé avocat personnel li, Michael Owens pour le faire paiement passer comme service légal alors que en réalité l'agent c'était pour rembourser avocat l'agent était déjà payé Stormy Daniels non ancien président. Il avait dit coupable pas empêcher l'occuper fonction président s'il remportait la victoire face à candidat parti démocrate là Joe Biden mais ça capable affecter candidature d'après résultat sondage agence nouvelle Reuters Ipso fait qui montrait moitié électeurs indépendants et yon sous chaque quatre républicains déclaré yo pas voter en faveur Trump si la justice condamne pour un crime. Jean-Bert Philippe, VOA Creole,
Washington. Donc, son dossier n'a pas su pour, et tant que Jean-Robert Sodil, jeudi, et ancien président afghan pour le retourner encore dans le tribunal. Ici, aux États-Unis, toujours, la police a arrêté plusieurs dizaines d'étudiants dans le cadre de manifestations en faveur Palestine, surtout devant la guerre israélo-Hamas. Nous avons gentil Augustin Junior qui a un détail. La police a arrêté plusieurs douzaines d'étudiants pendant manifestation pour Palestiniens dans Yale University, dans Connecticut, dans New York University, dans Manhattan, à Columbia University, lundi 22 avril 2024. Là. Quelques temps après, l'université a été annulée classe en personne pour soulager la tension dans le campus New York LIA qui a commencé dans la fin de semaine passée. Nous demandons pour y rejeter et effacer immédiatement toute suspension et accusation qui sortit dans Barnard College à Columbia University. Dans le dossier étudiant. Yo. Et puis, pour y retourner tout droit à privilège tout de suite. Plusieurs centaines de manifestants ont défié l'ordre université pour quitter la place où ils ont rassemblé. Ils ont appelé bien fort pour demander officiel New York University yo pour retirer l'effort qui a un rapport avec l'effort de la guerre Israël dans Gaza. Représentant 5e district congressionnel New Jersey a dit. We want Emerson College. Nous voulons Emerson College, premièrement, pour demander un cessez-le-feu immédiat dans Gaza. Deuxièmement, publier tout investissement financier dans l'organisation sioniste. Troisièmement, sortir dans l'organisation SAIO. Quatrièmement, abandonner toute accusation contre étudiants pour mes disciplinaires. Un étudiant université colombienne à New York t'a dit. I'm for free speech. Moins pour liberté la parole et moins pour liberté la presse. Et moins penser que campus université yo, c'est côté qui pi important pour ça. Université Columbia gagne une histoire dans défense. Qui donc tout autant li dans la paix, moins pour li. Commissaire en après pour opération NYPD, te dit n'importe moun kapote plainte depuis yo senti droit yo bafré. We haven't received any reports of any. Nous pas recevoir aucun rapport sous dommage physique sous aucun étudiant. Cependant, si gagne un étudiant juif ou soit l'autre moun qui t'est attaqué ou soit qui voulait porter plainte ou soit qui voulait parler avec la police, nous encourager yo relé 911. Manifestation yo dans université Yale, Columbia ak l'autre campus université à travers pays a té commencé en réponse à dernier gros déblosay dans conflit Israël Hamas la qui té commencé 7 octobre 2023 qui la cause en pile moun mouri. Attaque sous frontière militant islamiste Hamas yo ak réponse féroce Israël dans enclave Gaza que Hamas contrôlé. D'après Tex Waters la, défenseur droit moun yo rapporté yon augmentation générale dans préjugé ak raïssement contre juifs, arabes ak musulmans depuis 7 octobre là. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Et nous allons dans la région Moyen-Orient pour nous toujours parler de guerre israélo et palestinien ou bien Hamas là. Côté Israël continue à mener attaque sur Gaza. Dans le moment où découvrir une fosse commune tout près de complexes médicaux dans zone là, yon reportage Serge Rodriguez. Plusieurs Palestiniens ont assisté jeudi mardi 23 avril la funéraille en Tokay qui perdit la vie dans le cadre d'une descente de lieux militaires israéliens fait dans la ville de Jéricho en Cisjordanie, d'après le ministère de Santé palestinien. Responsable état juif a dit qu'il allait mener une enquête sur le rapport si là. Même jeudi mardi, mon décaroua ont tout la fumée dans le ciel là sur le territoire Gaza, dans le moment où l'avion a plagué assistance humanitaire dans la zone. Bassam Al-Hawa, c'est un résident dans Gaza. Région de Gaza en bas siège, dans le palais de zone Jérou, dans Jabalia. En plus de siège là, il y a des trucs qui mettent exact bombardement sur le monde innocent. Il a souffert pour manque d'eau, pour manque manger, pas gagner de l'eau aucun côté. Je vous parle au commissaire des Nations Unies pour les droits humains Volker Turk qui exprime choc et dégoûtance pour la destruction du centre médical Nasser à Al-Shifa dans Gaza et surtout pour ça qu'il y a pour la découverte de fosses communes avec plus de centaines de cadavres pile sous pile. Ravina Shamdasani, c'est porte-parole au commissaire des Nations Unies. We are horrified also by the destruction of a Nasser medical complex. Je voulais exprimer choc et dégoûtance pour la destruction complexe médical Nasser là, un complexe médical Al-Shifa à mettre avec fosses communes au découvrir aux alentours locales. Nous demandons pour l'ouvrir une enquête indépendante, efficace et transparente sur la mort. À cause du climat impunité qui existait sur question 1, investigateur international t'a le fourré bouche dans causer. Raison c'est que l'hôpital méritait une protection spéciale d'après la loi humanitaire internationale. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Eh oui, vous sauvez VOA Creole, vous suivez un programme dans la langue créole haïtien, restez branchés. Merci d'avoir choisi VOA Creole pour informer l'actualité à connaître maintenant dans le pays d'Haïti. Tant qu'on dit dans le commencement du programme, on a venu qu'a fait dans la villa d'accueil, dans le moment que grand pile préparatif qu'a fait pour l'installation du conseil présidentiel de transition. Nous allons rejoindre Yves Manuel, depuis Port-au-Prince. Conseil présidentiel là, à travers délégué Leslie Voltaire, visité lundi 22 avril là, local Palais National, dans l'idée pour faire une idée de situation. Visite ça, qui réalisé sous gros bataille entre bandits armés et force l'audio dans l'entourage Palais National,
pas permettre membre conseil présidentiel yo fixer en droit ni date installation conseiller présidentiel yo. Selon yo nan conseiller présidentiel yo, c'est jeudi mardi conseil a décidé sous date ak en droit installation. Nous apprenons tout gen plusieurs conseillers présidentiels qui proposaient pour réaliser cérémonie installation nan yon l'autre lieu que palais national. Position ça, yo tout pas mettre yo d'accord parce que majorité conseiller présidentiel yo kembe palais national pour installation en fait selon yon source qui proche négociation yo. N'a souligné après visite qui réalisé dans palais national là, Leslie Voltaire ba yon contre-rendu sur situation à collègue yo qui dans conseil présidentiel. Pendant visite ça, conseiller présidentiel là était accompagné de ancien colonel Imler Rebu qui dirigeait sous commission sécurité pour installation membre CPO. N'a rappelé que membre conseil présidentiel transition déjà s'est parlé semaine qui s'est passée là dans primati avec premier ministre AIA Michel Patrick Boisvert et puis directeur général police nationale d'Haïtien France LB. Pendant rencontre ça, directeur général police nationale d'Haïtien te bay garanti que toute disposition pral pran pour faciliter bon déroulement événement malgré pou ko gen aucune date qui fixée pour installation en fait coup d'zam pas suspend chanté dans barrage palais national entre bandio ak force radio ça qui laissé planer en pile doute sur installation dans palais national. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Et d'après information qui vient de nous, eh ben et formule conseil présidentiel de transition continue visiter vie diviser société à côté gagne monde qui gagne position département. Par exemple gagne et ancien député Ulrich Cessy qui mandé pour installation en fait pressé. Nous sur place dans Port-au-Prince où dans tout ça. Par rapport à problème politique, économique et social notamment phénomène insécurité, grand goût et chômage cap ronger société haïtienne. Ancien député Ulrich Cessy, qui est président de la coalition politique Mouvement patriotique pour la vie Mopal, mandé 9 membres conseil présidentiel transition yo dégager yo comme maître Jean-Jacques pour prêter serment à installer tête yo dans palais national semaine ça même pour yo capable adresser problème ça yo. Nous croyons que faut monsieur Damio aller plus vite parce que il est temps pour que yo retirer et peuple haïtien dans suspense ça. Donc faut faire tout ça yo capable pour au moins commencer à rentrer dans le travail pour montrer à partir de première action que vous pouvez poser pour montrer aux peuple haïtien que vous décidez tout bon vrai accompagner vous décidez tout bon vrai résoudre les problèmes sécurité qui gagne dans pays insécurité qui gagne dans pays pour résoudre pour commencer créer une situation d'apaisement pour population parce que monde qui quitte caillou pour permettre de retourner la caillou parce que il y a des monde qui fait des années à construire un petit cas pour arrêter à madame le petit chou et puis un bonjour et puis gang météo dehors monsieur député Cécile encourager collège présidentiel là pour choisir monde qui honnête et crédible dans cadre formation nouveau gouvernement qui a remplacer équipe gouvernementale Ariel Henry pendant écarter toute possibilité séparage gâteau faut que CPA pas rentrer non démarche de partage de gâteau c'est si l'entrée dans ça. Ça a explosé dans mail parce que véritablement 18 ministères pas capable de distribuer, pas y a assez de ministères et de direction générale pour distribuer à chaque monde. Donc c'est monde qui c'est des monde qui compétent, c'est des monde qui montrer plus ou moins au niveau de patriotisme, c'est des monde qui et ont certaine notoriété pour valeur, yo charrier derrière en dans société, c'est monde ça yo choisi pour que yo mettez dans le gouvernement. C'est un dossier que VOA Creole a suivi pour vous, Renan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Oui, en pile, attention braquée sur Port-au-Prince qui t'a doué recevoir installation conseil présidentiel de transition dans jour Cap Vinla selon information qui arrive joindre nous. Nous allons parler un petit peu de immigration sous initiative Allen Sherwood, un volontaire américain, 28 haïtiens qui en pile là-dedans bénéficiaient de programme ça relé et programme Biden Humanitarian Parole. Eh bien, ils ont entré aux États-Unis dans cadre d'un vol humanitaire gratis tiché. Citoyen ça qui dépensait $40,000 pour faire vol ça entre dit, c'est façon pâle pour aider peuple haïtien qui dans le besoin. Luxon Saint-Ville. Jeff conduit environ 4 heures de temps pour venir à l'aéroport international Miami. Il fait 8 heures à soin. Ces femmes viennent recevoir l'aéroport là, qui sont venues dans le cadre programme là. Ils sont atterri là, c'est dans le train là, mal point là. Après 3 étapes, Jeff
resi wè frèl ak famil yo kap sorti. Grand frèl Joël ki se youn nan bénéficiè yo salye inisiatif la. Noté dérapé à 3h, nous arrivé à 8h mais tout bagay était bien passé. Son belle initiative, m'ta souhaité pou l'ta toujours fait touche. Kè content envahi Jeff ki pa te katann encore pour rentrer la kayli ak famil yo. Pa katann la pou nou rive la kala la pou nou enjoy tout fòm yon ki tap tann yo. Mon chè kè a tellement content la palpite très fort. Kè content ça? Pas seulement pour Jeff. Sandra qui a 5 années depuis le parrain frère, dit vol humanité ça c'était une véritable délivrance. Pas d'espoir encore. Chaque fois que je check un vol, je pousse le vol. Tantôt du 16, tantôt du 2 mai, il y a vraiment incertain. Je dis ma préchance quand même et puis je ne regrette pas. François qui est frère Sandra, dit le brave danger pour atteindre le cap pour venir prendre vol ça. Te carrefour nous t'es sorti, nous t'es obligé toute péripétie où qu'on est, nous passer toute étape ça au Matissan tout ça, nous tomber la ville de la ville étant carrefour aéroport, nous connaissons un valier en Haïti jusqu'à ce que nous t'es prend bus au Cap, vous comprenez, pour nous t'es capable atterrir au Cap, nous passer dans l'autre va encore qui c'est et Mon Cabrit. Qui côté initiative avion humanitaire gratis ça sorti. Marc Henry qui t'est lancé appel là sur réseaux sociaux a expliqué son initiative que moi t'ai lancé ça gagne environ 8 jours que moi gon zanmi qui est Alan Sherwood qui t'est rentré à Haïti pour t'a chercher maman papa et il t'est fait ça 3 novembre 2024 là et il t'est promettre moi que il t'est pour t'a aller à Haïti et lundi passé vraiment t'est reach out avec flight là t'est capable prendre 28 monde il t'est dit Marc Henry moi capable bailler jusqu'à 15 monde pour rentrer aux États-Unis qui pas bien pour payer. Alan c'est citoyen américain ça qui t'est décidé louer un avion privé pour aller prendre n'importe où cap 28 monde et gain visa ak autorisation nan programme Biden. God put it on my heart. That was important. C'est bon Dieu qui mette ça sous kem, c'est ça qui pi important. Peuple ici a besoin d'aide et tout le monde doit camper pour aider quel que soit nationalité ou parce que nous sommes seuls sous terre. Allen qui fait exercice ça déjà en Ukraine, dit la planifier l'autre vol sur Haïti. 11h58 nan aswe. Pi fò bénéficier quitter aéroport Miami. Yo tout dit yo content rejoindre famille yo que yo pas depuis quelque temps. Depuis Miami, l'État Floride. Luxon Saint-Ville, pour VOA Creole. Merci Luxon Saint-Ville. Docteur, nous sommes capables de reporter ça. Et bien, le programme Biden continue à mettre la joie dans quelques familles haïtiennes qui sont dans la diaspora. Quand nous allons parler de autisme, qui c'est une forme de handicap, ce n'est pas une maladie. Et moi, avril, là, selon les Nations Unies, c'est moi, côté que vous faites sensibilisation sur le problème ça qui c'est autisme. On a le droit à ça, Pipré. Autisme, premièrement, ce n'est pas une maladie. C'est pas un bar ou un contexte sans orientation de blog autisme. Autisme, excusez-moi, c'est un problème neurodéveloppemental. C'est une condition qui affecte le cerveau et qui automatiquement affecte tout sens au gagnant. Donc, les principales caractéristiques par monde qui gagne autisme, faut qu'à joindre, il y a un problème pour interagir avec l'autre monde. Il y a plus souvent parlé de retirer dans le propre monde par eux. Il y a un problème de communication. Ensuite, il y a des comportements répétitifs. Ce sont trois principales caractéristiques qu'on peut joindre par un monde qui est dans le spectre de l'autisme. T'as quoi, Mme Yveline Alexandre Dill, autisme, ce n'est pas une maladie. Et devant dimension, le prend en mi-temps population. Assemblée générale Nations Unies décrétée en 2008, 2 avril, comme journée mondiale sensibilisation sous autisme. Et il y a en pile organisation qui prend tout le mois d'avril là pour faire sensibilisation. Autisme 509, c'est Yon Ladayo, Ligue dans tête, Yveline Alexandre. En 2012 même, Nations Unies était adoptée à l'unanimité, sans manquer Yon, dans l'Assemblée générale là, il y a une résolution qui voulait gagner prise en charge dans le niveau État membre concernant besoins socio-économiques, monde, avec famille et même communauté qui fait face à autisme et l'autre handicap qui lie à trouble Kaiti Moun. Madame Alexandre Dino, Organisation mondiale, par été indifférent dans lutte la menée. Réaction très positive, il y a collaboré avec nous et pas oublier nous sommes gros communauté haïtienne aux États-Unis, nous tout partout. Donc en plus de organisation, on dit que ce soit aux États-Unis, Canada spécialement, même en Afrique, même en India, nous collaborer avec des organisations parce que nous tous ensemble dans bataille pour même bagarre, on éducation communautaire pour un meilleur acceptance avec une inclusion qui est plus juste. Donc nous toute organisation nous gagne même objectif là. Par rapport à autisme, gagne un gros problème ignorance surtout dans la communauté haïtienne. Et dans ce sens, Autisme 509 joint appui à TIS et personnalité connue pour faire gagner nouvelle là et faire sensibilisation sous problème. Nous avons toujours eu Artiste Belo qui toujours commencé au mois d'avril pour nous de là. Nous avons eu M. Benjamin, Lionel Benjamin qui était là et Anessa de Merseïd monté à boire avec nous. Chaque monde capable de contribuer non seulement dans la sensibilisation sur autisme, mais yon capable de respecter les différences à Kaiti Mounio et encourager les parents, les familles qui font face à autisme. Et c'est pour nous encourager toute activité qui a fait sensibilisation sur le problème. Comme tout pour New York, samedi 27 avril, YMCA Flatbush, Brooklyn, New York.
Merci. Donc, c'était Madame Yveline Alexandre, qui lui-même c'est fondateur et responsable Autisme 509 ou bien Autisme FAV ONAI. Elle était dit nous que 509 là, c'est par rapport à indicatif et Haïti, parce que leur font numéro et Haïti, il y a 509 là-dedans. C'est pour dire nous que, eh bien, organisation là, les mêmes liés avec le pays d'Haïti. Nous pratiquement arrivés. L'autre information que nous portons pour, eh bien, il faut qu'on ait d'après information Radio Galaxy, les mêmes, les partagés, conseil présidentiel là, l'État doué, vient diriger le pays d'Haïti, eh bien, la vie pour l'État installé, c'est demain, jeudi 25 avril 2024 là, dans le village d'accueil Mizo qui trouvait dans Delma 60 pays d'Haïti. Plusieurs personnages avisés nous parler faire comprendre que si membre conseil présidentiel ça yo même yo d'accord yo installé dans un autre espace qui pas palais national, c'est un coup c'est d'accord yo d'accord pour y aller dans Maron après installation qui donc Maronage qui ca impliqué tout pour chaque soir yo al dormi yon côté et puis jichita joui privilège pouvoir et bien confié yo pendant sans peuple là lui-même li pral continuer couler et plus même ça qui t'est arrivé Ariel là lui-même li ka toujours arrivé même yo même dans tout installation ça qui était supposé fait dans palais national et bien quelque soit façon selon en pile analyse que yo fait installation conseil présidentiel si là lui-même li pas capable fait dans palais et bien parti politique yo même qui déjà ouais yo mille là y a essayé ouais qui donc bagaille yo pas paraître clair dit tout là information fait qu'on l'état supposé installer n'a pas Guy Philippe tout lui-même l'était sorti dans silence li côté le parler li fait qu'on est même les conseils là installé li pas bay vague qui donc l'a continuer goumer il même traiter policier l'armée ou des choul qui n'est pas faire un mauvais job yo empêcher peuple là lui-même li manifester n'importe au prince pourquoi il là d'après dossier conseil ça tout et bien information que nous capable confirmer l'a fait craser plusieurs partis politiques dans pays d'Haïti côté conseil présidentiel ça l'a déjà fait craser en pile militant qui était bail ou bien qui t'a bataille qui prend balle sous béton yo même dans relé derrière PM Ariel Henry depuis sous Jovenel Moïse et bien on a gros frustration là dans plusieurs partis politiques selon ça plusieurs yo même qui parle dans yo cité et bien yo déjà fait connait que bagaille yo même yo pas pral trop douce parce qu'il y a un gros ministère qui gétant séparé pour dossier conseil présidentiel ça gain militant tout et bien selon qui gétant gain non yo sous liste pour ta venir un job et bien pendant temps ça et bien ça te picho devant ban yo même yo commencer pas prendre appel yo bagaille yo paraît drôle ministère yo même yo pour même placer mais liste mais longue gétant nan ti wa quel leader ou même yo gétant attend pour ta mettre au ministre pendant ça et bien c'est pas non moun qui te trop lité pour pouvoir les même lité capable quitter ou bien pour passer pouvoir et bien c'est toujours selon ça yo rapporté et bien coup ministre yo même yo fin installé quelques semaines après pral gen gros bataille interne qui donc bataille en dedans yo dit bef pas vinn travail et bien pour bay bourik pour les même légal on c'est pour que la qui dit ça et nous connaît tout militant en Haïti yo même yo pas fait pour pays mais c'est pour job que yo fait et bien avec chèque dossier pays nèg yo pa wel yo même côté yo rentre n'a faut connaît tout politique là les même li vinn difficile vrai sous pays d'Haïti et li vinn paraître yon bagay que moun pa ka comprendre raison. Et bien pour comprendre boy site Moïse Jean-Charles avec Claude Joseph yo même te dit yo compte Ariel Henry pourtant yo dit tous les deux yo fait alliance pour corer Gérald Gilles lui même qui se représentant à corps 21 décembre là et bien qui saute fait 32 mois là qui pas réglé rien pour peuple là qui donc Gilles Gérald c'est mon Ariel Henry direct c'était adversaire préféré Claude Joseph ensemble avec Moïse Jean-Charles pourquoi il est là nèg ça yo même yo vinn c'est bons amis bon alliance nèg ça fait 32 mois sous pouvoir yo pas régler rien pour peuple là est-ce qu'il y a kembe Ariel dans tête pays là à travers pour l'il li gen na parti ça yo même qui déjà est dans conseil présidentiel cette tête là Ariel n'a pas plus li gen Gérald Gilles et ben c'est moun qui donc Gilles qui passe plus passé 32 mois à diriger pays là avec Ariel Henry pral rete dans même équipe là les même l'a garder un pays cap tout fait ou bien moun cap mouri ça yo même yo pas fait rien pour pays ça c'était Gérald Gilles André Michel Ariel Henry Rosemila Petit Frère et ben c'est toujours même équipe si là les même
qui pral plus rejoignent yo nan accord si là qui rien yo même yo pas paré pour y faire pour peuple là qui donc moun sa yo majorité là dans déjà dans pouvoir pas de gain yon bon bagay qui t'est fait et c'est même yo même qui continuer dans pouvoir n'a quitté dossier pouvoir pour nous traverser dans ça qui gain dossier insécurité elle même la valet terrain et nèg y a goumen pour pouvoir n'a rappelé et ben matin là bandi exam yo envahi marché à Kaye à Kaye en pile moun connaît qui trouvé sur route nationale numéro 1 là sur Port-au-Prince pour aller dans nord et ben qui trouvé dans l'ouest département pays d'Haïti et ben matin mercredi 24 avril 2024 là c'est gros panique dans ville AKN nan moment que bandi yo même yo t'a pral envahi marché a peuple a mandé la police pour vinn troki kon a gang yo pour chasser yo et ben aucun l'état normal les même gang pa ka habiter et ben nan yon espace pour moun konnen mais l'état konnen et puis quitter yo là avec zamyo yo même yo ap nu moun tikrik tikrak et bien yo même yo pou lop et bien yal fait des zones ça passe dans zone 10 pral 11 dans la journée nan akaye côté nèg exam envahi ap fait peuple la oui fait que peuple la sauter et l'état toujours ap dormi yo pa di rien nan pays d'Haïti. Toujours dans dossier problème insécurité dans pays d'Haïti et bien d'après déclaration Catherine Michel les même qui c'est directrice UNICEF les même les fait devant Conseil sécurité Nations Unies et bien directrice la fait qu'on a gagné presque 50% dans gang yo même yo recruté en pile ti moun piti pour alimenter zak violation yo même yo a fait dans pays a et bien yon exploité ti fi yo nan fait bagay sans capote avec yo et bien situation kap si maye maladie avec grossesse sans pari dans pays d'Haïti donc ti moun ki te dans la rue selon information qui vient sorti là yo diminué dans Port-au-Prince et raison qui cause yo diminué j'ai été connu avant et bien en pile ti moun la rue nèg zami yo même yo rekite yo ki donc yo pran yo fè yo al travay kòm gang nan groupe gang yo ap vinn pil ti moun ki moins de 18 ans et ben se ti moun ki poukou même kapab reflechi et ben gang yo kwaze yo yo nan problèm yo nan difficulté et ben yo même yo oblige ba yo l'argent côté yo mené yo al travay et ben sont tande ya la yo commencé travay y ap fè zak sans côté parce que ti moun sa yo pa bien ka reflechi vwi se simplement ke bezam nan fè ça lide yo di parce que c'est timon yo yo poko gen sa ki le bon comprendre nan pou yo même yo t'a pensé pour konnen sa yo ta doit faire avec sa yo pa doit faire il y a vraiment tombé dans tout dans dernier jour sa yo la côté pa gen rien k'ap fait la ki paraît yon jan ki vraiment clé pour moun opération dans terminal pétrole Haïti a les même li suspend après gang yo même yo ta saisi plusieurs camions gaz Port-au-Prince et bien opération yo nan principal terminal pétrole Haïti a suspend depuis hier lundi après gang exam yo même yo te saisi camion et puis exigé pour fermer port si là d'après une source qui bien renseigné sous question a et bien c'est pral la cause li même raté gaz là li même li vini pi grave toujours nan pays d'Haïti sous cela di gang yo te bloqué plusieurs parmi route qui allait nan terminal Varia yon porte-parole programme alimentaire Nations Unies li même qui c'est pas me lancer avertissement pour li di li difficile pour joindre gaz acheté nan Port-au-Prince et moun fait gros ligne nan pompe yo ça veut dire ou obligé camper dans ligne bien longue pour capable joindre yon ti gaz parce que bagay yo même yo pas paraît clair dit tout côté pompe yo même yo fermé porte-parole la dit pour kounye la et bien gen provision et yo pral continuer fourni pétrole by partner humanitaire yo même cap travail en Haïti gang armé alliance Genef yo même t'es déjà bloqué varé pendant presque un mois dans mois d'octobre 2021 qui t'est passé là les barbecues lui même il t'est fait qu'on est bloqué et puis une année après ça yo même yo t'est bloqué pendant plus passé un mois et ben ça t'après la cause puis fort activité économique yo même yo t'est campé et puis gouvernement haïtien lui même il t'est mandé assistance yon force intervention étrangère puis fort business ça yo même pas gain courant pour fonctionner sans génératrice diesel yo et bien pendant blocage qui t'est fait pendant blocage c'est là les mêmes qui t'est fait et bien passé l'hôpital yo même yo t'est obligé fermer porte yo station radio yo même yo suspend programmation yo antenne service cellulaire t'est prend panne gaz et transport public tout les mêmes li t'est campé l'idée Genève en famille les mêmes qui gain en tête les Jimmy Cherizier alias barbecue et bien il déclarer que livré pour premier ministre Ariel Henry lui-même il t'est démissionné et bien mais après Henry lui-même il t'est annoncé
instation pour te démissionner depuis le 11 mars qui s'est passé là. Et bien, Jimmy Chérizé, lui parler de une révolution qui pillage contre bourgeois, et bien, attaquer gang yo dans capitale là, lui même lui vient augmenter. Jimmy Chérizé a annoncé tout, yon alliance gang en bas non qui gagne tout le monde connaît qui les vivent ensemble, et bien, vivent ensemble, ils continuent à bail problème côté médias locaux, yo même yo rapporter gang vivent ensemble ça, lui même lui tape tout qui connaît, et bien, coup de zam avec la police, et bien, aux alentours palais national depuis le lundi qui s'est passé là, tout de suite après, nèg yo te fin fait connaît, yo pral installer yon conseil présidentiel transition qui supposé mené un nouveau gouvernement li même li ta do prete serment nan palais national et bien meilleure date pour sa fête là li poko jamais confirmer pourquoi li là yo fait konnen yo capable faire demain jeudi a mais c'est pas nan palais national. Nations Unies a approuvé demande intervention Ariel Henry li même li te fait a et bien qui gagne a fait 6 mois de cela là et bien mais il faut li même li obligé camper en attendant yon nouveau gouvernement prêté serment Ariel Henry continue de diriger gouvernement malgré lui même li pas dans pays d'Haïti parce que beaucoup jamais gagne un monde qui prenne dans ça. Pendant ce temps l'ONU estime plusieurs centaines de milliers haïtiens qui couri quitter caillou et bien à cause des incendies, kidnapping, assassinat avec viol qui a fait sous femme tout et bien plusieurs millions l'autre cap mouri grand goût pendant gang yo même yo renforcé pouvoir dans pays d'Haïti pour capable continuer à bailler peuple si là les mêmes problèmes situation ça qui mettait bagay yo vin paraît tête en bas dans pays parce que pa gen moun ki konnen ki sa pou yo fè et ki sa pou yo pa fè parce que nèg viv ensemble yo même c'est celle yo même qui c'est le chef dans pays y a fait ça yo même yo ta doué fè ou bien ça même ça yo pa ta doué fè ça yo ta vle fè yo même c'est lui même yo obligé de faire parce que bagay yo paraît vraiment noir nan men peuple haïtien lui même qui pa konnen ki sa ou bien ki sa li même li ta doué fè pour capable vivre. Nous parler toujours dans pays les États-Unis ben faut qu'on ait prévisa pour artiste international qui vle performer États-Unis li vin augmenter avec un baisse de 250% que nan avril bagay yo même yo vin pi compliqué pour musicien international qui vle performer aux États-Unis. Service immigration avec citoyenneté États-Unis a augmenté prévisa yo passé 250% pour musicien qui t'ai rempli document pour demander visa avant 1er avril qui s'est passé là et bien prix application il était on a fait de $460 et bien après 1er avril 2024 là prix a vinn passé avec on a fait de $1,615 pour artiste même yo capable voyager artiste avec groupe cap défendre droit yo et bien gain caisse sauté d'esque augmentation prix ça les même l'état ca dévasté musicien qui sorti tout partout dans monde là pour qui veulent al baye conseil nan pays États-Unis et puis tout sous économie locale là nan état avec nan ville côté artiste yo même yo t'a gagné ou bien yo t'a vle pour y al performer. Avocat gouvernement américain qui c'est Gabriel Castro lui même Jean Jacobsen et bien qui travaille pour Alliance droit artiste yo et puis Gareth PC lui même qui joue avec groupe Gamesinos et bien gen kè sauté pour conséquence privisa yo pral gagner sous nouveau artiste cap évoluer avec yon kilti musical multinaturel c'est dans pays les États-Unis et bagay yo même yo continuer apparaître comme ça. Toujours sur l'échelle internationale la faut qu'on ait plusieurs leaders l'Occident mandé Hamas pour li lagué otage. Quelques diplomates dans l'Occident mandé Hamas pour li lagué otage qui rete en bas men li dans Gaza pendant ça fait 200 jours depuis Hamas yo même yo té attaqué Israël. Ça gen 200 jours Hamas té lancé attaque qui trouvé plus juifs depuis Holocaust là les mêmes c'est secrétaire affaires étrangères Grande-Bretagne là qui c'est David Cameron les mêmes qui écrit comme ça sur compte X côté il dit depuis 200 jours otage rete en bas code et famille continue à faire face avec souffrance que nous pas même capable imaginer ministre affaires étrangères allemand les mêmes qui c'est Annalena Baerbock et bien dit tout autant otage même yo pas libre nous pas abandonné yo c'est seulement les yo tourner la caillou la paix pour al gagner pour t'apparaître gain chasse bagay yo difficile. Hamas té attaqué Israël c'était dans date qui était 7 octobre 2023 côté yo té tué environ 1200 moun et puis prend 250 lot en otage et bien d'après
allié Israël yo. Israël dit que militants yo même yo kembe en bas main yo, yo toujours à peu près de 100 otages avec cadavres plus passé 30 autres. C'est des parties qui fait yon entente et kounya la Hamas montrer que lui-même li pa vle entente. Et bien c'est ça porte-parole département d'état qui c'est Matteo Millet lui-même li dit journaliste Millet dit que nan semaine qui sont passé yo là Israël lui-même li te fait mouvement pour rencontrer exigence Hamas yo nan négociation seulement pour li wè Hamas changer exigence li yo même sa yo ki poko jam capable accompli. Les bagay yo continue paret la nan yon sens ki toujours compliqué nan dossier guerre ki yo même yap mené. Administration Biden nan ap rapple nan jou passé yo la kote ki te sot autorisé 95 milliards de dollars. Et bien président Joe Biden li même li siye enveloppe si la ki gen pouwe avec aide ki gen ou afè de 95 milliards de dollars. Et bien Sénat américain yo même yo t'ap pral voté vote ça en faveur. D'ap rapple te déjà voté nan chambre député à côté yo te approuvé. Et bien là nan Sénat li pa pran temps même Joe Biden te dit pou pa pran temps pou capable siye nan. Et bien li déjà siye comme si là côté yo té voté majorité dans l'agence ayo yo pral jwenn pays tan kou Ukraine pour capable continuer mener bataille que yo même qui opposé face avec pays là aussi n'a rappelé qui voulait mettre pays en bas contre lui. Et bien pays les États-Unis déjà développé en fait de 95 milliards de dollars et puis là dans yo pral jwenn pays Ukraine pour capable faire face avec là aussi selon président Zelensky aide ça yo même yo gain yon importance capitale qui pral permettre yo même yo contrecarrer avec offensive ennemi wa qui c'est pays là aussi lui même l'a fait sur depuis des jours là et l'autre partie dans comme là tout li pral gain pour la joine Israël lui même qui continue à attaquer Hamas yo côté bagaille yo pas paraît douce là dit tout dans Jean bagaille yo fait là et bien li pas facile n'a rappelé comme si là qui député yo te fin voter qui gain 95 milliards de dollars pour supporter Ukraine avec yon valet de 61 milliards de dollars li même qui pour joine Ukraine et bien 26 milliards pour 4 dollars c'est pour Israël lié et bien 6.7 milliards c'est pour pays Taïwan. Taïwan ni même qui gen la Chine qui bal menace là et bien États-Unis pa vle perdi yo et bien yo adopté tout plusieurs paquet de sanctions contre pays Iran après lui même li te fin riposter contre régime sioniste là et bien alors que crise yo même yo empiré nan Gaza. N'a rappelé 95 milliards de dollars pour bien comprendre a fait des 61 milliards qui pral joine pays Ukraine 26.4 milliards dollars c'est pour Israël et bien 7.6 milliards c'est pour Taïwan pays à nous même Haïti nous pas arrivé dans méthode milliard qui veut dire nous pas travail pour milliard c'est 10 millions y a ba nous et avant pour 10 millions ça tomber ya yo kon souvent voter contre et puis li pas capable tomber dans dossier qui gien pour avec dossier aider nous même haïtien pour nous faire face avec crise qui a ravagé pays ya dans dernier jour ça yo là côté bagay yo paraît fait noir 100% pas bon côté par nous dans pays d'Haïti et bien système santé haïtien li sur route pour plonger pendant un gros ratement des médicaments qui gien là Haïti système santé ça sur route et bien pour nous pas connaître qui ça l'a fait selon UNICEF yo et bien gien gros ratement médicaments côté pas gien rien qui capable rentrer dans pays ya et déjà nous pas produit nous pas gien rien et bien système là obligé à prendre coup là nous pas connaître qui côté ça a privé dans moment ça là mais c'est gros. L'autre information, et bien dans le pays d'Haïti, il faut connaître. Et bien dans plusieurs photos qui sont sur sous internet là et bien soldats l'armée américain yo prend position yo dans aéroport international Toussaint Louverture là qui trouvé dans Port-au-Prince et bien dans Port-au-Prince depuis hier mardi 23 avril 2024 là alors que commandement sud pays les États-Unis t'a déclaré que c'est pour yo bail soutien avec département d'état américain pour sécuriser ambassade américaine en Haïti que même yo t'ai déployé personnel soldats ça yo bien soutien avec soldats yo même bagay l'assemblée changer phase commandant dit arrivé mission lui même c'était moyen gros effort PNH avec FADH là lui même que yo a fait dans pays d'Haïti yo annoncé que yo était concentré sur effort gouvernement américain lui même pour soutenir peuple haïtien police nationale l'armée et puis
créer condition pour élection yo même yo capable fait dans pays d'Haïti bien a plusieurs photos gens que vous cap constater là et bien c'est rentré et porte international Toussaint Louverture là et bien qui chargé avec soldats américains qui trouvé ou sous les lits raison qui fait là et pour qu'on gagne notre sorti fait connait qui ça yo vinn fait à qui ça yo pas vinn fait mais yo même yo déjà prend contrôle aéroport international Toussaint Louverture là côté passé bande et bien vivre ensemble pas pété aucune cartouche sur yo yo continuer rester dans espace là sans aucune difficulté et puis l'autre ça prend pile actualité sur internet là c'est dossier Marie Raphaël Pierre lui-même qui quitte émission qui ça nous voulait sur radio Iboa lui-même qui t'a fait ensemble avec ou dit ça non côté journaliste là tu sais pas fait connait li pas vendre dignité li pas saisir cela mais pour qu'on gain détail à pile on a posé ou dit ça non question de comment ça y est ou bien qui vient by détail pour qui ça femme si là lui-même li quitte émission si là et bien parole qui beaucoup capable une réponse et bien pas de trop en pile parler t'es fait sous ça qui non journaliste là t'es annoncé que lui-même li quitte émission si là li parler de dignité li parler de tout sincérité que lui-même li pas by trop détail mais ça même li fait viral sur internet là côté tout on a demandé et bien qui ça qui passé entre dame avec journaliste ou dit ça non que tout le monde connaît les mêmes cap fait sur internet là qui anime deux émissions en même temps émission politique plus émission sport que les mêmes li fait dans dernier jour ça yo là donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui un grand merci avec vous même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier une des premières façons que vous pouvez faire ou capable faire senti travail n'a fait arriver sur vous c'est le quitter un like sur vidéo et le abonner avec channel là tout. Pas oublier activer la cloche notification et mettre sur toute une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous portons une nouvelle vidéo pour sur channel ça. Partager vidéo avec vos amis, vos familles, une façon lui même pour capable joindre information à tout et comme ça on va aider nous grandir communauté channel là. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passée pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là et bien ou pas regret même une seconde côté tu abonne avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'a pas dit au revoir tout le monde. N'a pas revoir encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.